je te retrouve. Ouais. Premier épisode pour 2015. 2015, donc là on va donner la date, on est fin février, le 28. Donc on va déjà remercier la personne qui nous a donné l'adresse. C'est assez isolé, c'est la jungle à l'extérieur. Je sais pas si, si vous allez voir par la suite. Normalement il y avait de l'électricité, on va vérifier. Après c'est une toute petite maison, c'est un semblant de ferme. On va voir ce qu'on peut voir. On a déjà vu que ça date de 94, le dernier calendrier trouvé. Donc abandonné depuis 20 ans. Voilà, donc c'est parti pour la courte visite. T'es chaud? Allez. Allez, go. Vieille maison, pas de salle de bain, donc cuisine qui peut-être sert de coin de lavement ici, lavement dans le sens on se lave, hein, pas, hein, je te vois venir, de toilettage si tu Et préfères, de les toilettes, latrines. les latrines, Où sont les bonne latrines? question, ça doit être dehors à mon avis, à côté salon, en haut deux chambres et un grenier, donc on ira voir après, mais assez petit. Et ensuite la partie ferme qu'on a aperçue, on ira voir après aussi. Bon, allez. La légende de ce spot, enfin la légende, je sais pas si c'est La vraiment une légende, légende. mais Est-ce qu'on ça. l'appellerait pas la maison ampoule? Je sais pas. Donc les photos qu'on m'a fournies avant qu'on vienne, cette ampoule-là est allumée. Donc on vient de faire le tour de la maison. On va vérifier quand même avant de partir. Alors, on met le jus. Et voilà, magie. Regarde. C'est pas beau ça? Mais explique-moi comment tu m'expliques ça? J'en sais rien. Ah, Et c'est... alors du coup, qui paye maintenant? Je sais pas, c'est peut-être un raccord sauvage qui avait été fait, mais je pense pas quand même. Donc voilà, on a la chance d'avoir l'électricité. Bon, on va peut-être passer le week-end ici alors. Ouais, bah allez, installe-toi, je vais faire à manger. Ok, Ok. super. Bon allez, t'éteins quand même, hein. Allez. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, c'est ça. Allez, on s'en va.
donc là on est dans la cave, tous les bocaux sont remplis, donc là je vois... Moi je pense aux mirabelles, haricots... Les haricots, ouais, j'en vois, donc ouais, il y a un peu de tout, il y a des fruits, des légumes. Et par contre, donc tu filmeras les bouteilles là-bas, elles sont toutes remplies, c'est de l'eau de vie. C'était un amateur d'eau de vie, en haut on a retrouvé pas mal de bouchons. Donc ouais. C'est lui qui la faisait lui-même. L'eau de vie c'est quoi? Ben, ou de la goutte comme on disait, non? Bon ben Nico, tu fais un bilan? Ouais, bilan assez sympa pour cette première de 2015, donc on termine en beauté entre guillemets avec une 4L derrière. Quand on est encore en assez bon état. Il n'y a pas les clés dessus, on n'a pas tenté de la démarrer comme on l'a fait à côté pour l'électricité. Bilan, ouais bon, c'est une petite maison, ça t'attendait pas à plus. Mais sinon c'est sympa. Donc j'ai retrouvé quand même des papiers qui dataient de 2001, notamment des journaux. Voilà, donc un couple très très croyant, des statuettes partout, des papiers religieux partout, des voyages à Lourdes, enfin voilà quoi, ils aimaient ça. L'alcool ? Hein ? L'alcool ? Et l'alcool, ouais, donc comme on l'a vu dans la cave, beaucoup d'alcool en bouteille, et beaucoup de bocaux aussi. Madame aimait bien cuisiner sûrement. Voilà, t'as rien à rajouter non ? L'électricité ? Ouais, l'électricité c'est quand même sympa, c'est rare quand même, voilà. Et pourtant, pour un lieu qui est quand même bien délabré. Voilà, bon, bah, la suite pour un prochain épisode, j'espère. Voilà. Allez, à plus!